You look lonely. I can fix that. Da takar shwadam. Warbati shaugas puris waida. Shancha isilas pacha. Tu gratis. Daiwa praswa haucha. Praswa tasha nubatri. Yauda chaucha. Oh bah j'ai hâte de l'affronter la Batari. Eh bien salut à toutes et à tous l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. 15e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Et comme vous le savez, nous avons les 4 boss qui nous attendent. Enfin je dis les 4 boss mais il y en a certainement peut-être plus encore. Nous sommes quasiment à la moitié du jeu et nous n'avons plus de quête principale autre que ces fameux boss. Autant vous dire que c'est dingue. Mais que ça veut rien dire, hein. Le jeu n'est pas encore... voilà, on n'a pas encore fini. Le chargement est long par contre. Très étonnant, tiens. Le chargement est plus long que d'habitude, je tiens à le dire quand même. Il faut souligner cette prouesse. Eh bien alors, c'est le moment de mettre un like. Je pense qu'on peut en profiter. Ok, pourquoi pas. Pourquoi ça se fait que ça a pris autant de temps là. Je ne sais pas, c'est très étonnant. Du coup les amis, pour cet épisode, on va tout simplement chiller. Tu vas te détendre, la schlata là. On va se détendre justement, on va se balader, se promener, se stuffer, se préparer, farmer, découvrir, explorer. Bref, vous l'avez compris, c'est le maître mot de cet épisode. De toute façon, voilà, même pour la hutte de Jaima, il nous faut de la peau de cerf rare, je le rappelle. Donc, autant en profiter et se balader là où il y a du cerf. Et on a des avant-postes, des bûchers à faire, etc. L'idée, c'est d'avoir un maximum de points de compétences également ici et là. Et regardez, nous avons des grands élans ici et du cerf ici. Donc, l'occasion de se balader par là-bas. Ici, ah oui, il y a aussi ce... Alors attendez, il y a du cerf là. Il y a du cerf là. Et c'est une zone qu'on n'a pas encore explorée. On y était allé, souvenez-vous, pour la chasse aux dents de sabre saignant, je crois. Mais voilà, c'est une zone qu'on n'a pas explorée réellement. Il y a le bûcher à faire et l'avant-poste. Donc, bah écoutez, on va y aller, tout simplement. Voilà, on va y aller. Et comme il y a du cerf qui nous attend au bout, avec un peu de chance, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, c'est une zone un peu... un peu reculé. Alors le soleil se couche, t'as cru que j'avais que ça à faire là. C'est une zone reculée, donc ce qui est cool c'est qu'une fois que ce sera exploré, on n'aura même plus besoin d'y retourner pour quelconque raison. Donc ça je trouve ça vraiment cool. On a également une zone comme ça dans le nord de la map, hein, souvenez-vous, qu'il faudrait qu'on explore un peu plus. Enfin je dis qu'il faut qu'on explore un peu plus. Mais il me semble qu'on l'avait quand même bien exploré, hein, attendez là. Juste vérifions ce que je raconte. La zone là-haut, bah si, la zone là-haut, là... bah non, il y a plein de lieux inconnus, mais sinon il n'y a pas d'avant-poste ou quoi, quoi. Ah, il y a encore une zone là qu'on n'a pas vue. Et là, un lieu inconnu. Ah, il y a quand même des trucs à voir là-haut. Mais bref, nous on va s'attaquer à ici, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà. Ça va mon loulou? Oui, tiens, bébou. Et alors attendez, avant de commencer cet épisode absolument incroyable, voilà, on a reçu des récompenses. Du coup, on va quand même checker s'il n'y a pas de la peau de cerf par exemple. Peau de grand élan, peau de singe. Ok, bon, vous avez vu que le fait qu'on ait fait plein d'événements ici et là, on a quand même plus de loot, on a plus de récompenses. Donc voilà, faut vraiment augmenter la population, c'est très 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 important. Voilà. Et ben, en parlant d'événements, on a un événement juste à côté. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Je ne sais pas. On va vite y aller. Hein, si on peut faire une petite bonne action dès le départ, dès le début de cet épisode, ça peut être pas mal. Ça peut être cool. Sauvetage. Tuer les envahisseurs et sauver les Wenja capturés. Pas de problème, j'arrive. Oui, il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur, l'ours. Voilà. Eh, monsieur. Voilà. Bah tu vas le tuer, oui. Ah non, hein. Oh là, gentil. Allez, détaché. Ah. Ah bah voilà. Ah. Eh, alors vous savez ce qui est cruel? Vous savez ce qui est cruel? C'est que j'ai fait mon événement. J'ai validé mon événement, je l'ai sauvé. Ça a même augmenté, voilà, ma population. Il y a un nouveau villageois, mais en réalité le villageois est mort. C'est incroyable. Je suis vraiment un petit salaud, hein. Bah je pouvais rien faire aussi. Allez, dépêche-toi, toi, j'ai pas que ça à faire.
Direction donc le premier avant-poste. Mais attends, du coup pour y aller faut passer par où là? Parce que c'est un peu... faut suivre le chemin simplement. Faut suivre le chemin simplement. Salut! 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 Donc faut que je grimpe ici simplement. Voilà. C'est reparti pour l'escalade. Et puis oui, ce sera bien de pouvoir se TP en bas, même si de toute façon à mon avis on n'y retournera pas. Mais parce que là bah, vous avez vu tout le chemin qu'on doit faire, c'est quand même absolument aberrant. C'est un peu la merde. Fais pas le malin toi monsieur le sanglier hein. Je suis plus malin que toi, sache-le. Voilà, je suis Spider-Man. En tout cas les amis, comment ça va là? Vous passez une bonne semaine? Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Au moment où cette vidéo sortira, peut-être que il fera pas beau, peut-être qu'il fera plein soleil, peut-être qu'il fera canicule, peut-être qu'il fera tempête. Enfin, ça change tellement tout le temps, de toute façon, que là, c'est un peu la cata, hein, on va pas se mentir. Petite anecdote quand même pour vous raconter. Hier, j'étais en camion, hein, je roule tranquillou bilou, il fait beau, il fait chaud, il fait... Voilà, j'ai commencé à m'habituer aux fortes chaleurs, d'accord? Et puis, je vois des nuages noirs... D'ailleurs j'ai croisé mon ex à moto, c'était rigolo. Voilà, je raconte toute ma vie, c'est fou. Et je vois les nuages noirs qui se forment au loin. Je me dis c'est pas grave, en fait il fallait que je me mette à quai, il fallait que je mette ma remorque à quai, que je décroche cette remorque et que j'accroche une autre remorque. Et après que j'aille à un dépôt ici et là, machin, bref. Mais pourquoi j'ai fait ça moi? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Bref. Et du coup c'était le seul truc un peu chiant à faire, d'accrocher et décrocher une remorque. Je me suis dit bah écoute c'est pas grave, il fait beau, je fais ça et puis après il pourra pleuvoir, je m'en fous. Bon, j'arrive à quai. Et ben je veux commencer à me mettre à quai. Et ben la tempête arrive, il commence à pleuvoir, mais très très fort, du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Et pour parler de vision, et ben je ne voyais plus rien. Voilà hein, tout simplement je ne voyais pas dans mes rétroviseurs, mais encore mieux je ne voyais même pas à mes vitres, devant, à droite, à gauche. Je ne voyais rien, je ne pouvais rien faire. Il était évidemment impossible de me mettre à quai en fait, je ne pouvais rien faire. Donc j'étais au milieu de la route, feu de détresse, et je pouvais rien faire. Et comble de tout, j'avais pas de veste. J'avais pas prévu de veste. J'avais tous mes vêtements, j'avais pas de veste. Bah mauvaise idée d'ouvrir la fenêtre hein, évidemment. Je me dis on sait jamais, je suis un peu con, autant essayer. J'ouvre la fenêtre, putain, camion inondé en 2 secondes. Et bah du coup je suis sorti parce que ça servait à rien que je reste dedans. Je voulais quand même voir derrière ce qui se passait. Donc je suis sorti trempé, je me suis vite mis à l'abri. J'ai vu la cata. Je peux te dire que j'étais bien content d'avoir attendu. J'ai attendu 5-10 minutes. Le camion il tournait sous la flotte. 5-10 minutes j'ai attendu. Et après j'ai enfin pu me mettre à quai quand ça s'est calmé. Mais et puis alors, autant vous dire que le sol était inondé de partout. J'ai marché dans une pataugeoire. Une pataugeoire bien remplie. Hein. Je pense que là tu mets un enfant dedans, tu le vois plus. Hein. Non, c'est vraiment pour vous dire, c'était impressionnant la tempête. Alors qu'il faisait vraiment super beau, super chaud avant. Donc voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que vous kiffez mes petites informations. Voilà, que je vous partage ici et là pour un petit peu passer le temps. Plongeons! Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je me souvenais plus qu'on faisait tout ce chemin en réalité. C'est marrant, hein. C'est sympa. Bon, bah, j'espère que ça vaudra le coup. Bon, normalement, il y a un feu de camp là-bas dans tous les cas. Hein. Bon, après, j'ai pas prévu de mourir, mais voilà, c'est pour dire si jamais je meurs, il y aura pas besoin de refaire tout ce chemin. Oui, tout à fait. Il y a un feu de camp juste ici. Allez, bienvenue dans cette nouvelle zone qu'on a déjà pu un petit peu voir, mais sans trop l'explorer. Ici, c'est vraiment Jurassic World. Hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment superbe. Il fait toujours de la musique en bas à l'autre. Hein. C'est incroyable. Hein. Il adore la musique. Hein. C'est un vrai fanfaron. Eh bien, on va descendre davantage. Alors, je passe peut-être pas par le meilleur des chemins, il est vrai. Hein, Oula. Eh, attends, est-ce que le hibou, il peut attaquer cet animal ou pas? Je crois pas, hein. Je crois pas, mais... Checker quand même. Non, il peut pas, hein. On sait jamais. Par contre, viens ici quand même, parce que si jamais il... Voilà, j'ai pas envie qu'il m'embrouille. Et d'ailleurs, je vais réanimer mon vrai frérot là. Mon vrai dent de sable ensanglanté là. Viens Coco. Allez au pied. Voilà, comme ça tu me défendras. Il m'a pas vu, c'est bon. Allez, on descend par ici tranquillou. Là y'a personne, c'est bon. On va essayer de faire ça bien parce que c'est un avant-poste difficile hein. Voire plus. Ah, il me le scanne pas le salaud. Bon, en tout cas c'est bien par là qu'il faut passer, c'est parfait.
Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur ce qu'ils ont fait. Ah, du coup, ça marque les animaux gentils. Oh, c'est adorable. C'est adorable. Bon, l'événement, ça attendra. Eh bien, c'est le moment d'envoyer le hibou. Voilà, tout simplement. Scanne-moi tout le monde, s'il te plaît. Oula. Ah oui. Est-ce qu'il peut attaquer le mastodonte déjà? Il peut pas attaquer le mastodonte. Ce n'est pas full cheaté. C'est bien dommage. Là, il n'y a rien. en bas là. Il y a personne. Dans la fosse, il y a personne. Normalement. Donc tous les ennemis se trouvent ici. Techniquement. Ok. Ils sont pas nombreux. On a une corne ici. On a une corne ici, on en a une là-bas. Oh merde. Trop chiant. Il y a deux cornes. Dont un alerteur ici, bien sûr. Bah c'est superbe. C'est superbe. Je vois pas comment je peux faire. Je me chie dessus. J'ai envie d'être à la fois discrète, faire un truc assez propre. Et on va essayer de faire un truc propre. Allez, vous savez quoi? On va essayer de faire un truc propre. Au pire, on n'a qu'une vie. Non mais les gars... Au pied, tu bouges plus, tu restes là. Oh non, il est mort tout seul. Bon bah, oh, il est pas mort dans le vide hein, quand même, voilà, hop. Tu restes ici, tu restes sage, tu couvres mes arrières. Je compte sur Watt, hein. Alors... Eh, parce que j'ai toujours pas su comment renvoyer une bête. On peut pas le renvoyer, ça m'énerve. Maintenir et appuyer sur G. Commander la bête. Attends, quoi? Ah oui, non. Je suis con. je suis con. C'est... Oula. Mais wesh, Ah oui. On voit super bien. Alors, il y a un... Alors là, je peux tenter d'envoyer une flèche sur l'alarme, là. Hein. Mais là, c'est comment se faire cramer, quoi. Comment se faire cramer, quoi. Il y a combien de mastos en vrai? Parce qu'il y en a deux, hein. Il y a deux mastos, hein, quand même, hein. Attendez. Bougez pas, difficile. C'est même pas très difficile, c'est juste difficile. D'accord, mais difficile n'est pas français. Me dira-t-on. Hop. Voilà, moi je passe en mode infiltre. Regardez bien. Ça va aller très vite. Attention, je vais... mes excuses. Voilà, forcément, hein, chaud-froid, je suis enrhumé, hein. L'alarme. Je peux la détruire de là. Si c'est bien le truc que je vise. Parce que ça se trouve, j'ai pas compris ce que c'est. Et... Putain. Si j'envoie une flèche, je suis cramé. Faudrait que j'envoie un caillou loin là-bas. Yes, ça fonctionne super bien. Non, mais toi, tu restes là. Il va réussir à tout faire cramer, hein. Ça m'énerve, ça. Voilà, va là-bas, toi. Allez, j'essaye au pire, hein, de toute façon. Superbe. Je l'ai détruit, c'est bon. Je l'ai détruit. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Ils s'en sont rendus compte. Superbe. Est-ce qu'ils sont en alerte? Pas pour autant, ils ont l'air un peu cons. Si, si, ils sont en alerte. Voilà, attaque le mastodonte. Là, le lanceur d'alerte ici. Il faudrait que je puisse tuer le lanceur d'alerte. Là. Allez, sors. Sors. Voilà. Il faut pas de renfort. Voilà. J'appelle un nouveau loup. Il est où le mastodonte? Là. Non, l'autre. L'autre. Bon. Bon, l'important c'est qu'ils me voient pas. S'ils me voient pas, ils appellent pas de renfort. Il faut le savoir. Bien joué. Lui là. Faut que tu tues le masto. Je compte sur toi, hein. Je compte sur toi, mon grand. On fait tout en mode infiltration, les gars. En plus, ça donne plus d'XP. Il l'a eu. Non, il l'a pas eu.
Il l'a pas eu, dommage. Dommage. On va y arriver en mode infiltration, vous inquiétez pas, c'est un peu cheaté, j'avoue. Est-ce que je peux tuer le fort là? Lui là. Oui. Voilà. Bon, c'est bien, ils appellent pas de renfort. Un petit tour ce brin. Ah, ce qui est génial. Ce qui est génial, c'est que si je les ai tous spotés. Ah non, lui je l'avais pas spoté, tu vois, dangereux. Dangereux. Oh, j'ai eu chaud. Attaque. Voilà. J'adore. Je ne fais rien, c'est superbe. Voilà, maintenant, lui, là, le masto, tu le finis, là. Let's go. Maintenant, il reste plus que 3 gars. Faut juste pas qu'il fasse l'alarme, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est très beau à voir. C'est très, très beau à voir. Allez, pile dernier pour la route. Je vais m'en occuper avec le hibou magique. Allez, on s'est parti. Hein. Tu te caches où, toi? Tu te caches où, toi? Allez, terminé, bonsoir. Ah, c'est cheaté, j'avoue. J'avoue, c'est cheaté, mais est-ce que... voilà. Est-ce que il faut pas passer par là, finalement, pour faire de belles choses? Il reste plus que 5 avant-postes, en plus. C'était l'avant-poste de l'enceinte. Mais alors, est-ce qu'on parle d'une enceinte connectée JBL? Je ne sais pas. Voilà une bonne chose de faite, ça fait plaisir, vous inquiétez pas, on pourra les réanimer, nos braves bêtes, hein. On le fera d'ailleurs très rapidement à mon avis. Voilà, la populace augmente. C'est un vrai plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Un point de compétence en plus, c'est parfait. On fouille tous les cadavres. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Attaque ! Hop ! Dommage. Hop ! Oh là, je suis nul. Hop ! Voilà pourquoi j'ai l'infiltration, heureusement que j'ai fait ça à ma façon. Yalla! Voilà. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est courir et les défoncer. Libérer les Wenja. Voilà. Bienvenue chez nous. C'est sympa ici, hein. J'aime beaucoup cette zone en vrai, hein. Je suis très attaché à ce territoire, à ce terroir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Du coup, bah voilà, ça s'est fait. On a un feu de camp, bon, qu'on a déjà débloqué de toute façon. Là, ce feu de camp, on l'a pas encore débloqué. Donc là, on va voir ce lieu inconnu. Attention, parce qu'il y a le lion des cavernes là, qui risque de nous faire un petit peu bader. Oh non, oh non, adieu. C'est bon, tout va bien. Heureusement, je suis incroyablement fort. Et on va se faire un petit plaisir. On va prendre un stimulant de vitesse. Voilà, c'est Bibi qui régale. Autant en profiter, autant s'en servir. Voilà. Vous avez vu comme on va vite. Salut. Tu me feras rien. Tu me feras rien, je suis toi. Aïe! Ah, c'est plus le serpent qui m'a fait mal qu'autre chose. Je vais juste. Voilà, je vais rappeler quand même les dents de sable parce que là, je trouve que les animaux, là, ils se laissent un petit peu aller avec moi, là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça gueule, hein. Y'a rien à récupérer là. Oh là, le temps est en train de se gâter ou quoi là? Bah alors. Attaque! Paf! Dommage. Paf! Dommage. Paf! Oh! Celle-là, elle était belle! Oh, elle était belle parce que j'ai vraiment tiré à côté pour le coup. Oh, celle-là, elle était belle, Mazette. Mazette! Hop! Ça dégage la racaille, bordel. Bon. Oula. Wesh! Non mais il se passe trop de choses sur ce jeu, c'est ouf. Il se passe tellement de choses sur ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Sympathique. Le foyer de Kasha Tigri. Oula. Alors attends. Parce que ça mon ami, y'a pas un truc pour allumer là? Y'a pas un feu? Oh la flemme. Oh, faites chier. Bon bah on va l'enflammer. Gourdin, gourdin. Ouais, voilà. On va l'enflammer. Allez. Voilà. Pécab. Y'a pas un truc à récupérer là? Y'a pas un trésor? Cherchez. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu.
Bonjour, je peux rentrer? Non, pas encore, c'est un peu dangereux, hein. Oh, je peux pas rentrer, genre. Si, je pense qu'on peut rentrer, là. On peut pas rentrer. Arrête. Tu rigoles ou quoi? On peut pas rentrer. Attendez, j'ai pas des bombes... Ah, je peux toujours pas faire de bombes... C'est vrai, ça? Je peux toujours pas faire de bombes? Bombe à feu. Bombe berce... Ah ouais, faut d'abord faire ça, là. Oh, les boss et tout. Emparez-vous du Fort Easy, là. Ah ouais. Oh, j'avoue qu'on va avoir des trucs de dingue, en vrai, hein. Mais c'est pas prévu encore. Bon, bah, malheureusement, dommage. On a une main d'Aïcha. J'espère qu'elle est dehors et pas dans la grotte. Voilà. Elle est là, c'est bon. Bon, après la grotte, il y a juste un petit trésor à récupérer, hein. Rien de bien incroyable. On a un événement qui nous attend. Ils font des pompes ou quoi? Oh, j'ai failli me faire cramer. Oh, j'ai failli me faire cramer. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Ça va les gars? Ça c'est fait. Il faut libérer qui là, hein? Personne n'est libéré. Eh oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord! Ah, mais moi j'avais pas vu qu'il y avait des ennemis là! Oh les gars! Aïe! Paf! Magnifique! Yalla! Ouais, tu montes à nulle part toi, tu vas nulle part. Merci, c'est moi qui monte déjà, dans un premier temps. Et voilà. Feu de camp découvert, voilà, comme ça c'est bon, c'est fait. Cet endroit me dit quelque chose. Pourtant on n'y était pas ici, hein. On n'y était pas. Très bien. On peut se reposer ici, c'est parfait. Alors attends. Hop là, l'enchaînement. Voilà, j'ai tiré la flèche là-bas, c'est lui qui se l'est pris. C'est génial, hein. J'adore le concept. Du coup, ça c'est fait. Waouh, poisson croc, superbe. Eh ben, on va descendre par ici, on va suivre le cours d'eau, comme ça on se fera le feu de camp et les deux lieux inconnus ici. Là-bas, j'aime pas trop. Allez, allons-y. Eh, il fait un peu sombre hein, quand même, hein, ça fait peur. Hein. Puis on entend des petits macaques. Il y a des macaques. Ah, coucou les macaques! Trop mignon. Mais c'est super sympa ici. Hein. Super sympa. Hein. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Bon, mon dent de sabre il fait fuir tout le monde, c'est un bonheur. C'est un pur bonheur, c'est une pure merveille. Hein. Hop. Ah, quoique ils sont en train de se poursuivre. Non, c'est bon, il se barre, il a peur. Oh! Toi t'as pas vu ma bête non plus, t'as vu il se barre encore. Ah, bande de nulos. Bande de nulos. Allez, on arrive au niveau du cours d'eau, bien sûr. Donc cet épisode, hein, vous l'aurez compris, ce sera essentiellement de l'exploration. Hein. Oh, le feu de camp. J'ai failli foirer le feu de camp, par contre. Hop. Par ici. Voilà. Feu de camp découvert. Ça, c'est fait. Oula. Ok. J'ai failli tuer un... Un de nos confrères. Winja! Qu'est-ce qui se passe? Ok. Paf! Ah, magnifique ça. Voilà. Paf! Ah, ils sont trop forts, bordel. Voilà. J'aimerais bien les tuer avec un caillou. Regarde. Voilà! Voilà! Ah, je l'ai tué! C'est bon. Je l'ai tué avec un caillou. Je suis très content. C'est une belle prouesse. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était cet endroit, mais c'est super sympa. Voilà. Ensuite, parce que là, on débloque plein d'XP en faisant ce que je fais, mine de rien. Ah, il y a des points d'interrogation partout, c'est incroyable. Et là, on va arriver au niveau du domaine du cerf. Là aussi, il y a un feu de camp. Bon, bref, on va simplement se balader sans calculer où on va, parce que, en vrai, vous l'aurez compris, c'est une zone assez... assez petite hein, finalement, comme mon zizi, donc
Protéger les Wenja des envahisseurs. Rien à péter, moi. Rien à péter. Oh là là. Le gang de racailles. Oh là. Arrête. Arrêtez. Foutez-moi la paix. Allez, faut qu'on trouve du cerf. Du cerf rare, attention, c'est ça aussi la subtilité. Putain, c'est compliqué ça. Hein. Comment on fait pour avoir ça? Voilà, l'enchaînement, c'est bon ça. Et on a un lieu inconnu juste ici. Ah, je ramasse l'aulne. L'aulne. Je peux pas grimper, genre la mousse elle glisse. Incroyable. Incroyable. Camp de la colline perreuse. Ah, c'est ça les cerfs? C'est ça les cerfs? C'est pas des cerfs rares ça. Allez, cours là, tu vas plus vite, non? Oh, il fait pas d'effort, hein? Ah ouais, non, là, il fait pas d'effort. Il fait pas d'effort. Ouais, il revient. Tu sers à rien, franchement, tu sers à rien. Il est censé être super rapide, il m'a fait de la merde, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il se balade toujours par deux, hein. À moins qu'il a l'air tout seul. Ah non, ils sont deux, c'est bon. Reste ici. Je vais me faire un enchaînement stylé. Ils font quoi là? Ils se tripotent le cul. Paf. Tu l'as pas vu venir celle-là. Paf. Bah ouais, mais faut pas foncer tête baissée sur moi aussi. Enfin, je veux dire, je suis M'Kolo quoi. M'Kolo le préhistorien. Ah quoi. Ah. Oh, l'esquive du chef, eh. Incroyable. Bon. Il y a de la brume. C'est adorable. Mais moi je vais trouver du cerf. Moi je vais trouver du cerf. Putain, il y a un lieu inconnu là également. Quête abandonnée. Mais j'en ai rien à péter moi de ta quête de toute façon. On a un totem à placer. Oh. C'est chouette ici. J'adore passer par des endroits bizarres. Impeccable. Hop. Cachette. Et le totem de placer. Superbe. 4 sur 12. Qu'avons-nous là? Il y a de l'eau. Et il y a un passage. Hey. Alors les gars. Il y en a dans la caboche. Allez, on va à droite. On va à droite. Il n'y a pas d'autre accès. Donc là, je sors. Je sors. Il me faut peut-être une... Je peux pas sortir là. Je peux aller à nulle part là. D'accord. Alors je replonge. Et je vais prendre le chemin là. C'est certainement ici. Voilà. Oula. Vous entendez? C'est quoi ce bruit? Voilà. Ah, c'est toi. Ah mais y'a que dalle. C'est juste... Mais non, mais alors par contre ça met... Bon, c'est bien aussi, mais il y a que dalle. C'était juste... Ah, il y a des roseaux rares, mais j'en ai déjà des roseaux rares. Allez, plongeons. Bon, bah voilà, bah ma foi. Eh bien, on... voilà, on découvre des petits easter eggs. C'est un pur plaisir. Hop, on ressort de cet endroit. Et puis... Et puis, il faut trouver du cerf. C'est peut-être la nuit qu'on en trouve en vrai. Du cerf rare. Ou alors c'est moi qui suis con et il faut faire une chasse spéciale. Aider les Wenja, aider les Wenja. Ouais mais non. Ça c'est quoi? Chasse au rouge-neige. Chasse au grand ours balafré. Y a pas de cerf rare en chasse. Et non. Et non, et non. Ben alors. Peau de cerf rare. Ouais non mais c'est quoi? C'est aléatoire en vrai. Hein. Je sais plus si c'est dans cet épisode ou dans le dernier. On avait une peau de tigre rare. C'était vraiment du hasard. C'était vraiment du hasard. On est bien d'accord que là je suis dans la zone du cerf. Bah c'est bon. Bon bah on va voir hein. On va voir. Qu'est-ce qui leur arrive là? Oh ils sont mignons. Ah bah il est mort. Ah! Allez, fume-le!
Ok. Oh, ils se font les yeux doux. Voilà, voilà, ça fait mal hein, le feu. Oh, ils se roulent partout, c'est trop bien fait. Trop bien fait. Très 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 bien fait. Peau dedans de sabre. Bon, plus beaucoup de flèches hein. Voilà. On a un cerf là. On a un cerf. On a un cerf. Alors lui, je vais pas le louper hein. Lui, je vais pas le louper, je te le dis. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Ah, alors par contre, il a l'air très occupé là. Roc de patache, c'est bon ça. J'ai reçu un point de compétence du coup. Mon dent de sabre est mort, c'est pas grave, il m'aura défendu. Reviens! Je suis sûr que toi t'es rare, toi, vu comment tu cours. Paf! Ça y est. Là, malheureusement, il va mourir de souffrance de feu. Je suis malheureusement désolé. Voilà. Il va où comme ça là? Paf! Il est mort. Et avec un peu de chance. Alors on va éviter de mourir. Voilà. Oh, je trouve une grotte encore. Eh, on en trouve de ces choses hein, quand même hein. Oh, j'ai plus de feuilles rouges pour les réanimer, je suis mort. C'est cheaté sans être cheaté en vrai. Bah attention tout de même quand même. Ça craint là. Attendez, je vais quand même appeler un ours. Ah, c'est un cerf normal. Fait chier. Ah super la grotte. Bah je suis dégoûté en vrai. Oh, je peux monter sur l'ours. Je suis dégoûté. Je sais pas à quelle heure je vais avoir le cerf rare. Si je vais l'avoir un jour d'ailleurs. Par contre, il y a un feu de camp ici. Voilà. Et faut récupérer des feuilles rouges, hein, c'est important. Hein. Bah attendez, hey, regardez. Non mais attendez, dégage. Il y a même pas besoin de chercher les feuilles rouges dans la nature. Regarde. Feuilles rouges. Et voilà. J'adore le concept. Donc là, à tout moment, je peux les réanimer. Puis de toute façon, il y a des feuilles rouges ici également. Mais je suis full. Ah non, c'est bon. Oula. C'est quoi tous ces cris? Des cris des SOS. Ah, une grotte. J'avais pas vu. Ah, et puis le bûcher là. Il y a un bûcher en plus. J'ai même pas pensé à ça. Allez, on va faire la grotte d'Angu. C'est maintenant. C'est pour vous. C'est Bibi qui régale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grotte. Allez, un bonheur. Un bonheur. Et je suis censé passer comment là? Ah bah voilà, tout simplement. Allez, régalons-nous. Régalons-nous. C'est la forêt amazonienne ou quoi là? C'est la forêt amazonienne ou quoi? Ok. Ok. Dans quoi on s'embarque? Je sais pas, mais j'adore. Ok. Est-ce que j'enflamme comme ça? Non, ça marche pas, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Hop. Voilà. Impeccable. On continue notre expédition. Oh! Toujours il prend feu là. Alors. Bonjour. Ah! Bah écoutez. Bon, la main d'Aïcha elle est sous l'eau, hein, c'est sûr. Elle est juste là en fait, regardez. Bah je vois rien. Faut que j'aille là, ok. Je sais pas où je vais, c'est superbe. Ok, je suis passé dans une autre dimension carrément. Hop, hop, tac, bam. Main d'Aïcha, éclairer la peinture rupestre. Ah, oh, voilà, c'était la peinture rupestre.
Parfait. Et elle est où la main d'Aïcha d'ailleurs? J'ai même pas de main d'Aïcha dans cette grotte. Qu'est-ce que l'histoire? Main d'Aïcha, elle est là-bas. Et puis il y en a même une dans la flotte, j'avais même pas vu. Ok. Là je peux peut-être casser. Ouais, superbe. Ok, je passe par là, bam bam. Et je pense que je suis de retour à l'endroit principal. Non, même pas, je reconnais pas cet endroit. Attends, je peux grimper là. Je peux grimper ici. Alors ce qui est génial avec les grottes là, en tout cas les grottes comme ça qui sont quand même plus complexes, c'est que là je saurais pas vous dire où je suis. On était jamais là encore. Je peux pas vous dire où on est. Et en même temps c'est pas grave, on court dans tous les sens, on s'en fout en vrai. L'important c'est de trouver ce qu'on veut et pouvoir ressortir après. Ouais. Ah, je sais pas du tout où c'est que je suis. Qu'est-ce que je fais là? Bah j'ai pas le choix d'aller là en fait. Ok. Je grimpe là, faut que je grimpe. Ah là, comment je fais? Il y a un grappin là-haut là. Ah putain, comment je fais? Je peux pas passer sous l'eau là. Oh, il faut que je puisse envoyer le grappin. Et pour ça, il faut que je sois sur du sol. Ah bah là. Voilà. Je suis déjà passé par là avant, mais c'est pas grave. Ah ouais, là on se fout de ma gueule. Ah ouais, là on se fout de ma gueule. Comment je fais? Non mais ça sert forcément à quelque chose là où je suis. Oh. Je sais, c'est bon, je sais, regardez. Oh là, je suis un génie. Je suis un putain de génie. Enfin, je crois. Ça a marché, c'est bon. Allez, go. Oh là là, c'est incroyable, sucer cet homme. Voilà, je récupère ça tant qu'on y est. Et là, je peux grimper ici. Oh, c'est superbe, j'adore ce jeu. Faut quand même avoir un peu de jugeote, hein. Que diriez-vous? Hop! Voilà, on passe par ici. J'espère que ça rend bien sur YouTube quand même, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Et alors là... Ah, là aussi, il faut que j'enflamme, je pense. Voilà, parce que sinon je peux pas atteindre le grappin, voyez-vous. Ah ouais, c'est vachement utile. D'accord. Donc ce que j'ai fait n'a servi à... Ah, maintenant c'est ça que je dois enflammer. Hey boy. Incroyable. Ah là, je peux peut-être grimper cette liane, non? Même pas. Bref, par ici. Voilà. Et là, ça y est. Là, je peux utiliser le grappin. C'est phénoménal. Ça fait tourner la tête. Merci. Ça fait tourner la tête. Pourquoi je peux pas... Je peux pas accéder là. Oh, j'avais pas vu ça. Voilà. Et là, je peux. Oh, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien parce que c'est assez sombre. C'est tellement satisfaisant. J'ai comme l'impression qu'on se rapproche tout simplement d'une autre sortie. Bah la main d'Acha est là. Allez hop là. Let's go. Grotte terminée. Et on peut même enchaîner avec la main d'Acha qui est dans la flotte. Est-ce que vous êtes prêts pour du spectacle? Ah la one again. Wouhou. Incroyable. Et la deuxième est là. Oh c'est superbe. Cet enchaînement est dingue. Cet enchaînement est dingue. J'adore cet épisode. Alors, il fait nuit. Il aurait été bien mieux si on avait de la peau de serre rare. Peut-être que comme il fait nuit maintenant, on va peut-être en profiter. Maintenant qu'il fait nuit là. Le cerf c'est par ici. Maintenant qu'il fait nuit. On va essayer de se faire discret un peu. Que la nuit, c'est un peu plus hostile. Ok. Là, il y a du cerf. Reste ici, toi. Tu couvres mes arrières. D'accord?
Là, il y a du cerf. Est-ce qu'il n'y a pas un cerf qui se démarque des autres? Pas l'impression. Alors, on va réanimer lui. Voilà. Alors on essaye, hein, on tente des trucs. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ah, c'est pas lui que j'ai enflammé. Ah là là. Ah, il est parti si loin maintenant. Ah là, j'ai tout foiré là. Ah, ça me fâche, hein. Ça me fâche, hein, cette histoire, hein. Ah là 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 là. Quoique, il est là-bas là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop, voilà, voilà. Oh mec, cet enchaînement quadruple, magnifique. Bon. Bah ça c'est pas des cerfs ça. Ça c'est pas des cerfs. Putain, j'ai perdu mon cerf à moins qu'il est mort. Peut-être qu'il est mort et je sais pas où il est mort du coup. Ah, ça m'énerve. On n'y arrivera jamais à faire la hutte de Syla là. Bon bah c'est pas grave les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain on va directement faire le bûcher de la pierre galue. Et ensuite on ira explorer ah non, dans le prochain épisode on ira explorer cette grotte. Et ensuite, on fera le bûcher. Et ensuite on se baladera un peu plus par là. On va se rapprocher des dangers par ici. Et voilà, essayer de farmer un maximum les avant-postes, se faire un maximum de compétences et de débloquer pas mal de choses. Et puis ce sera le début des embrouilles, hein, tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bien voilà, vous savez quoi faire. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette incroyable aventure. C'était Mkolo, je voulais pas te monter dessus, je voulais te faire un câlin, mais c'est pas grave. Plein de bisous, hop, merci à tous et un ciao tout le monde. Mais la cache nouvelle vidéo.